Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Et aujourd'hui nous allons affronter Nappa dans un premier temps. Par contre on va parler à monsieur... Merde, il y avait un artefact juste à côté, c'est débile. Ok, Gorille Géant, il va nous filer un petit peu de thunes, ça va être plutôt cool. Un petit peu de points d'XP, peut-être un objet aussi, ne sait-on jamais. Généralement oui, quand il y a des combats en fait... sur des villes, enfin des destinations, villes, sanctuaires, tout ça. Techniquement, on gagne... Aïe! Laisse-moi finir! On gagne des objets. Donc, voilà. Un gorille, à ce qui paraît, ça vole bien. Tu arrêtes? Regardez, par exemple, là, je l'ai presque pas chargé, du coup, ça fait pas de dégâts. Donc là, on est dans la map désert. C'est une de mes préférées, d'ailleurs. On peut s'amuser à détruire le décor, c'est... Aïe. Aïe. Ah, tu l'as dans le baba, hein. Ah, putain, non, il est vraiment trop lourd. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas. Aïe. Non. On va le refaire, regardez. Je vais vous montrer. Puis on le charge. Ouh là, il va se le prendre en pleine gueule. Ouh, il est mort. Celui-là, il est plus long à charger que le Kamea si vous le chargez à fond. Et je peux vous assurer qu'il fait beaucoup plus mal. Vraiment, vraiment beaucoup plus mal. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire quelques combats comme ceci. Pour essayer de trouver des artefacts. Bah voilà, Kikoa 1 plus 2. C'est-à-dire que dans notre premier Kikoa, on aura plus de patates, en gros, quand on va se battre. Qu'on va l'activer, surtout, quand on va le faire. Et ça, c'est une bonne chose. Donc vous l'aurez compris, on pourra pas tout booster tout le temps. Va falloir faire des choix. What? Non, ça c'est le glacier, j'ai rien dit. Ouais, on n'aura pas toujours... Enfin, on aura toujours le choix, je veux dire, mais on n'aura pas toujours la place qu'on veut. Du coup, on va être obligé de se débrouiller. Hop. Bon, maintenant, on peut le tuer, il n'y a rien. On va faire une petite boule violette. Swag. Ouf. Bon, bah, il n'y en a pas. Ok, bon, Yamcha qui a level up level 23, donc en fait je vais skipper ce combat dans le montage parce qu'il n'était pas intéressant. Je cherchais juste des Dragon Ball en fait, et du coup il n'y en avait pas dans les décors que j'ai détruits, j'ai tout détruit avec que dalle. Donc Yamcha a été up au level 23, c'est plutôt cool. Donc là on va se diriger vers la mission principale, à la rencontre de Nappa. Vegeta et Nappa arrivent sur le champ de bataille où les super guerriers se tiennent prêts. Something to pass the time, huh? Prétextant un jeu, Vegeta lance ses étranges Sabaiman sur nos héros. Ils sont tellement chiants, ces petits trucs. Six of them, huh? Well, we'll let these fools fight one by one. We'll make a game out of it. Fine then, I'll go first. All right, come at me. Come at me, bro. Alors, 2 contre 2. C'est très bien. Ça tombe bien. Mais moi je vais pas faire combat de Tenshinhan parce que c'est de loin, enfin c'est pas du tout le plus opti contre ce genre de petit ennemi. Le petit bonhomme vert, Sabaiman. Tiens voilà, d'entrée, bim, coup de boule, bim, patate, baf, tout ce que tu veux. T'es nul. Mince, je voulais pas faire ça. Ah merde. Eh mais en difficulté 3 aussi ils sont furieux. Là on est en 2 mais je me souviens qu'en 3 mec tu me outplay pas comme ça, d'accord. Ah d'accord, ok. D'accord, d'accord, ok c'est bon. Merde, c'est quoi la commande pour changer déjà? Je sais plus moi.
Je sais plus du tout ce que c'est. Bon, on va essayer de le camper. On va essayer de l'enchaîner, comme vous le voyez. Aïe. Ah, mais j'arrive plus à parer les super coups, c'est un truc de ouf. Poum. Mince, j'ai oublié d'actionner le nuke. Poum, patate. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, je le trouve plus stylé avec sa cape que sans, en fait. J'aime bien avec sa cape. Ça fait... Merde. Oh, putain, je me suis... Coup de pied dans ta gueule. J'aime mieux aussi le bruit du sifflement quand il vole. Bon allez, c'était des combats assez faciles. Ok, 2 level up de 20 à 23 pour Krillin et Piccolo, une nouvelle fois. Encore Piccolo, il level up vite quand même. Hein. Enfin, vous me direz en même temps, dans l'histoire, on avance encore plus. Je pense que vos monstres n'étaient pas aussi forts que vous pensiez. En fait, ils ont la particularité d'exploser, je crois. En apparence, c'était une victoire facile pour les super guerriers seulement. Voilà. À la surprise de tous, le Sabaima s'auto-détruit en emportant Yamcha avec lui. Alors que Yamcha tombe, les guerriers restants comprennent trop tard que ce n'était pas un jeu. Yamcha ! Eh oui ! Sabaima sont de redoutables petites créatures à soif de sang. Oh là là, oh là là ! Bon. On va les défoncer une nouvelle fois. Hein. Bah, vous avez bien compris qu'on va pas en affronter que deux, hein. Ce serait trop simple. Dans tous les DBZ, on n'affronte pas que deux Sabaiman, ce serait beaucoup trop facile. Hein. Oh. Oula. La perte de son ami met Krillin hors de lui comme jamais. Oh, Krillin vénère. Ils disent putain, il suit notre gueule quoi. Allez, Krillin contre 4. En mode, j'y suis pas content. Eh, tu n'as pas le droit de le toucher là. Eh, j'ai rien fait. Tu ne t'attaques pas à mon ami Yamcha. Je vais te défoncer. C'est un peu ça. Merde, il est parti. Il est parti où? Ah, je t'ai vu. Non, je t'ai vu en premier, tu mens. Allez, viens, c'était un bonhomme. Oh la vache, il s'est tout pris! Bien sûr! Mais non, mais je voulais pas faire ça, je voulais d'abord. Comme ça. Et. Ah merde. Bon, tu te lèves. Bon bah écoute. Je te balance des petites boules de bowling, hein, tu m'en voudras pas. Tiens, attrape ce disque. Disque d'or, mec. Quoi? D'accord, j'ai compris. Ok. Tiens, vol. Putain, je voulais lui envoyer le disque d'or de l'année 2014, quoi. Il en a pas voulu. Mais en même temps, c'est tellement de la merde. Maintenant, la musique, ça paraît logique. Tiens, prends. Je suis un footballeur, moi. J'ai pas peur de le dire. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, oui, il était couché. Résultat, il a pas pris cher, quoi. Voilà. On peut choisir de le foutre en l'air ou pas en l'air, en fait. Ah, mais... Lève-toi! Bon bah reste par terre. Allez, encore un. Tu me saoules, toi aussi. Regardez. Merde. Pouf, patate! Merde, je suis pas téléporté. Oh merde. Oh. Attendez, je crois que c'est Z. Touche du bas. Attendez. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est marrant aussi, on dirait bodybuilder. Salut, j'ai des muscles. Tu vois, une patate. Non, tu as un coup de pied. Attrape le disque d'or, putain, il est pour toi. Voilà, très bien. Allez, viens. Ouais, mais attrape-moi ça. Tous les disques d'or des années antérieures. Putain, il en veut vraiment pas non plus. Tu me déçois, mec. Je sais pas quel goût musical tu as, mais... On recommence. Non, je voulais pas... Merde. Je me suis bourré. Attrape. Putain. Bah voilà. Tu vois, quand tu veux. Quoi, il est pas mort. Ok. Tiens.
Attrape cette petite boule de neige jaune. Ah, il y en a encore un. Ah non, ils étaient 5. On va arrêter de faire le con, on va vite en finir parce que c'est pas des combats très intéressants. Je me tape des barres, c'est rigolo tout ça, mais... On va juste essayer de placer un ultime pour qu'il ait le disque d'or. Aïe, 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 aïe. J'arrive, ma biche. Je sais que tu m'as attendu pendant des années. Non. Ok, attrape. Va chercher. Bon, il me saoule, d'accord. Ok, alors là, tu vas te prendre un Damoclès. Merde, je me suis rendu compte trop tard. On recommence. On recommence. Mais tu vas arrêter de... Oh, c'est pas vrai ça. Le mec ne veut pas attraper mes CD, quoi. Je veux dire, j'ai une collection entière, j'en ai en double et tout, et puis lui... Putain. Les gens, ils sont vraiment... méchants, quoi. Avec moi, ils sont vraiment très méchants. Ok, level up de 3 niveaux. Oui, je me tape des barres, alors laissez-moi me taper des barres, bordel. Ok, bon, on les a tous eus. Krillin décharge toute sa rage sur le reste des Sabaïman. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. Nappa, l'un des Saiyans, entre en piste. Et là, par contre... comment vous faire une métaphore? Est-ce que vous vous êtes déjà pris un mur sur la gueule? Non, parce que c'est ce que Krillin va se prendre, en fait. Enfin, c'est une métaphore, hein. Il y a pas un mur qui va apparaître d'un coup et je boum. Voilà, mais on descend. Ça sert à rien d'aller voir Tao Pai Pai parce qu'on l'a suffisamment matraqué, donc voilà. Mais Nappa, c'est un peu une armoire à glace. Oui, c'est les vigiles, c'est les vigiles qu'il y a à Auchan, tu sais, les gros trucs tout baraqués qui vous mettent une pichenette, vous volez de l'autre côté et tout. C'est... Voilà. Bon, sauf que lui, il est pas black. Ça aurait pu, ça aurait pu. Donc la terre trempe, nos pouvoirs ne marchent pas. Pas compris. Non, 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 mais je déconne. Quoique, est-ce qu'on fait ça? Vas-y. Attends, non. Non mais... Ah voilà, c'est ce que je voulais faire. Gohan, parce que Gohan il est stylé. Par contre, on va lui mettre quelques runes. Enfin, je vais appeler ça des runes. Des artefacts, excusez-moi. Donc en fait, j'ai dit de la merde. Hein. Ça va jusqu'au niveau 9, normalement, les artefacts de chaque truc. Hein. Ça va pas du tout jusqu'à 5. J'ai oublié de le dire dans l'épisode 3, d'ailleurs. Je le dis que maintenant, j'y pense. Mais ça va jusqu'à 9. J'ai dit de la grosse merde. J'en suis désolé. Je suis réellement très, très, très désolé jusqu'à la désolation la plus totale. XDDD. D'ailleurs, pourquoi je mets Aura? Ça ne me sert à rien. On va mettre Kiko à 1. Ce sera peut-être plus worth-it, quoi. Merde. Attendez. Tac, tac. Défense. Défense ou Aura? Ah, si, on peut mettre les deux, en fait. Oui, je veux, mais... Voilà. Et ensuite, attaque, non. Défense. Case plus 2. On va le garder pour Piccolo, ça. Voilà. Et maintenant, Piccolo, on va lui faire une petite mise à jour. Santé. Bah voilà, vous voyez, ça augmente tout seul au fur et à mesure qu'on acquérit d'expérience. Ça évolue tout seul. Et ça, c'est vraiment excellent. Alors, attends. Casse plus 2. Comme ça, nous gagnons... ceci. Attends. Merde. Bon, on va lui mettre un petit défense parce que... Il va en prendre plein la gueule sinon. Bon, alors ça, ce sont des artefacts spéciaux. Je m'explique. Il y en a certains là-dedans. D'ailleurs, je ne sais pas si on en a. Non, on n'en a pas encore. Donc c'est soit là-dedans, on a des artefacts améliorés super cheatés, soit on peut en mettre deux en plus de cette catégorie. Genre ça, par exemple, ça peut être... super pété. Attendez.
On va remettre santé parce que j'adore jouer mes persos avec de la santé. Je sais pas pourquoi. C'est l'habitude, on va dire. Bon, allez, on est parti. Quoi, pourquoi? Ah, on est obligé de mettre tout le monde. Ah non, mais c'est nul, ça. Oh, putain, c'est nul. Vas-y, on peut même pas faire du 2 contre 1, quoi. Faut on est obligé de faire du 5 contre 1. C'est quoi, ce jeu? Je voulais faire le fifou. Cela dit, si j'aurais vraiment fait le fifou, j'aurais mis 1 contre 1, quoi. Et il a beaucoup de vie aussi, quoi. C'est pas grave. T'as beau être un vigile, je suis un martien, mec. Tu peux rien face au swag des martiens. Ok, j'ai un 10, c'est bon. J'ai un 10, c'est bon, calme-toi. Oh, d'accord. Oh, je t'enchaîne. Oh, je sais même pas ce que je fais. Si, je déconne, je t'avais pas mis de touche. Prends-toi un mur, c'est super les murs. Une technique, s'il te plaît. Je suis en train de... Merci. Tiens. Oh merde, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh putain, je l'ai annulé. Oh, j'ai eu chaud. Tiens. Youhou, retourne d'où tu viens, sale merde. Non, c'était pas ça que je voulais faire l'ultime. Non, mais pourquoi je fais ça? Ah, faut que je me réhabitue. Vas-y. Y'a quoi maintenant? Aïe. D'accord, j'ai pété la défense en tapant vers le bas alors qu'il était en haut. J'ai pas compris. Aïe, aïe. Ouais, il va commencer à me faire mal par contre. Ouais, si on laisse me taper. Oui. Ah, ouch, ouch, ouch. Ici. Ok, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Il est parti pour m'enchaîner. Ça y est, le mec il s'est dit, j'en ai marre. Tu arrêtes. Tiens. Boum, dans les couilles. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais me le passer en replay dans la vidéo, ça. Genre, high kick dans les couilles. Bang. Bah alors, la boîte être costaud, les bijoux de famille, ça reste fragile, hein. Ah, putain. Bon, en fait, en fait c'est pas du tout dans les couilles, c'est dans le ventre que le coup se met. Mais vu que j'étais un peu plus en dessous, ça a fait comme si, voilà. Incapable de faire face à la puissance de Nappa, Tenshinhan et Shaoz connaissent une fin tragique. D'ailleurs, c'est dommage, je sais pas montré, mais normalement, pour sauver Tenshinhan, Shaoz se précipite sur Nappa et explose, se sacrifie, meurt, mais Nappa survit très facilement. D'ailleurs, ils sont presque rien, on va pas se mentir. Et il défonce Tenshinhan. Mais c'est pas expliqué, c'est dommage. Vegeta donne aux survivants un sursis de 3 heures afin de pouvoir rencontrer Sangoku face à face. On s'en est pris plein la gueule, il y a 2 morts, même 3 en fait avec Yamcha. Et ça ne fait que commencer, le festival des morts est ouvert. C'est bien sûr Yamcha qui a ouvert le bal. Ah là 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 là. DBZ, le jeu de l'amour. Lol. 3 heures passent, il semble improbable que Sangoku rejoigne les autres à temps. Lorsque soudain... What is this? My dad is coming. Now, papa. Finish them. I don't want these pests getting in the way. Oh, Nappa, il est torse nu. Oh, il est chaud, Nappa. Il est torse nu et tout. Il a tombé, il a chaud. Ah ouais, 102. Oh merde. Ça veut dire qu'on va se prendre une branlée phénoménale. Ah, on va prendre cher. Fuite, survivre. ça veut dire qu'on va perdre le combat. Faut regarder les objectifs, ça nous indique pas ce qui se passe. On va le défoncer, je sais pas, des coups. Il est où? Ah ouais. Bonjour. Non mais tu peux pas faire le poids contre un schtroumpf, mec. Un schtroumpf, d'accord, un schtroumpf. Un martien. Oh. Eh, tu te calmes, Denis. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Aou, aou, aou. Je me suis protégé, j'ai eu chaud. Ah, mais il est trop cher. Coup de boule! Non, même pas. Je l'ai cassé. Ah, donc.
Ah, d'accord, ça s'est annulé tous les deux. Là, je suis en train de t'enchaîner, hein, parce que tu le vaux bien comme L'Oréal. Ah, ok, j'ai un 10, c'est bon. Voilà, je t'enchaîne, qu'est-ce qui se passe maintenant? Merde, putain, je sais pas viser, je vais me faire défoncer, voilà. Je reviens vers toi pour une nouvelle aventure en direct avec mes abonnés, ouais. Tiens. D'accord, le plafond qui était bleu, hein. Tiens. Hop. On va refaire. Hop. En fait, on peut le camper comme ça. C'est n'importe quoi. On va le défoncer. Tiens, prends ça. On peut tellement camper d'une manière très intelligente et dans le plus grand des cams avec un skill de fils de pute. On va pas se mentir. Ah là 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 là. Oui, mais je connais presque le jeu par cœur au niveau des attaques, c'est juste j'ai du mal à les exécuter sur Wii. Du coup, ça fausse un peu la chose, mais c'est marrant, on peut camp des mecs. Nappa déclenche sa super attaque, mais Piccolo se sacrifie pour sauver Sango. No, Piccolo. Gohan. Goodbye, my friend. Thank you. Et il en a pris plein la gueule. Hein. Foudrage après la perte de son fidèle mentor, Sangoku fait preuve d'une force inouïe. Et là, par contre, Nappa va se faire défoncer la gueule par Sangoku. Mais il me semble que Sangoku va quand même en prendre plein la tronche. Et après, fin du game. Ouais. D'ailleurs, Dodo, il me fait penser à Rambo, je sais pas pourquoi. Je suis désolé de faire cette comparaison, mais c'est infâme, on dirait Rambo, sans déconner. Bref, c'était tout pour cet épisode numéro 4, je vais vous laisser ici, on a 60 000 zéniths, on est riche comme Crésus. Et dans le prochain épisode, on fera sûrement la fin du chapitre des Saiyans, hein, parce que je vous cache pas qu'il approche à grands pas la fin du chapitre des Saiyans. Ne vous inquiétez pas, ce jeu est bourré de ressources, il en reste plein d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au prochain épisode. Allez, salut !